se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme à chaque année que je fais depuis quelques années, le calendrier de l'Avent / 2020 et vous donner mon avis sur ce qu'on va recevoir cette année. Je suis vraiment contente, au moins cette année, ils ont fait changement, donc ça va être plus sur le thème vétérinaire. Donc ça fait un petit peu changement que des dernières années qu'on a reçues. J'espère juste qu'il va être quand même bourré, qu'on va pas se retrouver avec juste des petits objets dans une case, parce que au prix qu'on paye le calendrier, je trouve ça insultant. Fait que / si vous passez par là, on veut du contenu, comme dans les premières années, pas juste un objet. Enfin bref, donc le numéro 1 se trouve juste ici. Et qu'allons-nous y trouver? Donc, j'ai reçu dans le fond la vétérinaire comme ceci. Donc, voilà. Je la trouve quand même bien faite. Elle est pas désastreuse. Ça va. Peut-être au niveau des yeux, ça fait un petit peu épeurant. Sinon, les bras sont articulés. Elle peut voilà, se plier. Donc, il manque peut-être un petit peu de mobilité, mais en règle générale, ça va. C'est pas trop désastreux. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous avoir plu et on se retrouve demain pour découvrir la suite de notre calendrier de l'Avent. Et je vous dis à demain. Salut tout le monde!